Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 6 petites boîtes random. Donc c'est des boîtes qui sont sorties à l'occasion de l'ouverture du nouveau Pokémon Center d'Hiroshima en même temps que la box que je vous avais ouverte avec des boosters, les cartes de Pikachu, Léviator et Magikarp. Et donc du coup j'ai acheté ces petites boîtes chez Pokéball. Donc comme d'habitude je vous mets le lien des boîtes ainsi que le lien du site dans la description. Et du coup ces boîtes sont vraiment super cool parce que encore une fois donc il y a l'histoire, enfin l'idée du random, donc c'est-à-dire que dans chaque petite boîte il va y avoir un petit porte-clé surprise, donc entre le A, B, C, D, E, F, G, H, I et J qui est une secrète. Donc du coup bah, j'aimerais bien avoir la secrète ou au moins en avoir un maximum de différentes comme d'habitude. Voilà, c'est vraiment des porte-clés qui sont super mignons, j'ai hâte de les voir en vrai. Je sais pas trop comment ils vont être, s'ils vont être gros, petits, enfin dans tous les cas on va le découvrir. Donc du coup je vous propose de commencer tout de suite l'ouverture de ces boîtes. Donc on va les mettre sur le côté et les ouvrir une par une. On va commencer par, allez, celle-ci on va dire. Et eh bien on va voir ce que ces boîtes nous réservent. Alors, comment ouvrir ça? Donc comme d'habitude il y a un petit bout de scotch, donc mon meilleur ami le scotch, vous le savez bien. Alors c'est parti, j'ouvre ça. Vais-je y arriver? Alors sinon il y a toujours mes amis les ciseaux qui sont pas très loin, mais je devrais m'en sortir. Au pire je ferai pareil que pour les petites bonnes femmes que j'avais ouvert en boîte surprise, je ferai une petite pause, j'ouvrirai tout et puis voilà. Pour l'instant j'ai l'air de m'en sortir plutôt bien. Allez, on est parti pour le premier petit porte-clé surprise. Donc je vous fais un petit zoom. Et il s'agira de... Oh, ils sont trop mignons. Et ils sont gros en plus, hein. Donc de Pikachu Magikarp et de Pikachu Léviator. De toute façon, ça sera toujours Pikachu Magikarp et Léviator. Mais dans différentes poses, en train de rigoler, en train de pleurer, en train de... Je ne sais pas, faire du bateau, voilà. Et donc là, nous avons le petit porte-clé. Donc c'est un porte-clé transparent, c'est plutôt sympa. Avec les deux Pikachu qui sont en train de manger. Bon, je crois qu'ils sont en train de manger, je crois pas me tromper. Ils sont en train de manger et donc du coup c'est le combienième? On s'en fout un petit peu mais c'est celui-là, c'est le C, hein. C'est le C, ok. Eh ben super, je les trouve vraiment trop mignons pour commencer. Donc voici comment ça se présente avec une petite... petit truc pour pouvoir bah, du coup le mettre où est-ce qu'on a envie sur son porte-clés, etc. C'est vraiment super cool, ok. Eh ben je suis contente, on est reparti avec le deuxième. On va encore se battre avec le scotch ou sinon je vais faire une petite pause et je vais tout ouvrir. C'est bon, j'ai donc réussi à ouvrir toutes les boîtes, donc c'est parti pour l'ouverture. On commence, enfin on continue avec la deuxième vu qu'on en a déjà ouvert une. Et donc du coup il y a, je regardais en ouvrant, 9 porte-clés différents. Et là nous avons les petits Pikachu. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, vous me direz ce que vous pensez qu'ils font. Ils sont en train de jouer peut-être ou... Je ne sais pas, en tout cas ils sont super mignons, peut-être en train de se préparer à se combattre, vous voyez, on dirait un petit peu des Pikachu combattants. En tout cas ils sont super super mignons, ceux-là aussi je les aime beaucoup. Ah super cool, très très bien, allez on passe au troisième. J'étais en train d'essayer d'enlever le scotch que j'ai déjà enlevé, c'est intéressant. Et il s'agira de... Oh ils sont trop beaux ceux-là. Alors ceux-là ça faisait partie de mes préférés, c'était les petits Pikachu sur un bateau. Je sais pas ce que vous en pensez mais alors je les trouve géniaux. Alors j'essaye de trouver l'endroit où est-ce qu'on les ouvre. Ah voilà, juste là. Ils sont dans des petits pochettes plastiques super bien emballés comme d'habitude et ça, ça fait plaisir. Et donc hop, donc voici à quoi ils ressemblent. Alors je pense que pour l'instant ceux-là c'est mes préférés. Les deux petits Pikachu avec le cœur qui sont en amoureux en train de faire... Ah c'est pas du bateau en fait, je croyais que c'était du bateau mais en fait non. Ils sont sur un train. Oui, on va dire que c'est un train, je pense que c'est un train. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je dirais que c'est un train. Eh ben super sympa, ok. Allez, on continue, j'aimerais tellement avoir la secrète, ça serait super cool. Et on est reparti avec... Oh, ils sont trop choux. Les deux petits Pikachu Magikarp et Léviator qui sont en train de te regarder comme ça avec leur bouille en mode trop 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 chou. C'est vraiment trop 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 mignon. Moi j'adore ce style de petits porte-clés là à collectionner. Et puis en plus le fait que ça soit random c'est vraiment bad. C'est ce que j'adore, moi j'adore les choses random, hein. Je fais des ouvertures de booster Pokémon, donc il faut apprécier les choses random pour faire ça. Et franchement c'est trop 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 mignon, je sais que si un jour je vais au Pokémon Center, je prendrai plein de pochettes surprises comme ça, c'est vraiment génial. Et là on n'a que des différents pour le moment, donc c'est super cool, espérons avoir de la chance en avoir 6 différents. On a souvent eu de la chance avec ça, mais faut pas abuser non plus. Ah super, alors je voulais avoir au moins un comme ça. Donc cela c'est en fait un seul des deux Pikachu, donc soit le Léviator,
soit le Magikarp, regardez, c'est juste ici, soit on a le Carpchou, ça s'appelle, ou le Picados, voilà, c'est ça. Donc, qui est le nom Girados plus Pikachu, en fait, tout simplement. Alors, voici à quoi ressemble le petit porte-clés, super, super mignon. C'est un strap, on appelle ça un strap, je crois, hein. Voilà, c'est ça. Super beau, alors il est magnifique, lui. Lui, c'est un de mes préférés, surtout que c'est le Léviator. Je préfère avoir le Léviator que le Pikachu, que le Magikarp, parce que je trouve que Léviator est plus badass, comme la majorité d'entre vous, même si, bien sûr, Magikarp, c'est un peu... un mythe, et bah du coup, bah c'est super cool, on a eu du coup, eh bien, le Léviator et le Magikarp en Pikachu, et ça, ça fait super, super plaisir, et bah voilà, franchement, on aura eu une superbe pioche, donc du coup, voici le Pikachu Magikarp, le Pikachu Léviator, donc on aura eu les deux, on a vraiment eu de la chance. Ensuite, nous avons eu, eh bien, 6 différents. Donc ça, c'est vraiment génial. Mon préféré, je pense, qui est le Léviator et le Pikachu et le Magikarp. Je vais y arriver dans un train. Les deux qui sont en train de manger. Les deux qui sont en train de se combattre, je dirais. Et puis les deux qui te font un petit smile en mode coucou. Enfin voilà, c'est vraiment super mignon. Donc j'espère que cette petite ouverture de strap surprise du Pokémon Center vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous en procurer sur le site de Pokévolt, c'est vraiment un site au top, moi en tout cas c'est mon site préféré, voilà, donc je vous fais de gros bisous, voilà, n'hésitez pas à me dire votre petit strap préféré, un petit pouce bleu et tout ça, sur ce je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt.